et tous les documents, yon pote collé à l'autre complémentaire et c'est un rapport complémentaire, yon à l'autre et qui est important, qui baille toute une série d'indices qui permettent de chercher vérité dans ça fait ça. Cependant, et signal qui lance genre autorité de l'État ou fait là, c'est qu'elle saute les bails dans la population. Et les laisser croire une volonté pour empêcher que le rapport ça lui suive route normale. Et il y aura plusieurs dans ce sens ça. Par exemple, plusieurs sorties président Jovenel Moïse Fer, qui va jamais avoir l'occasion pour prendre la parole sous question de corruption dans le pays d'Haïti. Et chaque fois, il présente une série d'arguments et contre le deuxième rapport sénatorial. Et quand il a affirmé que le rapport ça, et c'est persécution politique liée, et quand il fait connaître, lui-même l'a pété en croix pour empêcher que pas arriver sous aucun monde parle. Et il fait connaître, c'est lui-même qui est clé pour bataille contre la corruption. Et une séance qui fait dans la 10 novembre 2017 dans le Sénat, pour te statuer sous rapport deuxième commission, puis on te renvoie. D'ailleurs, le sénateur va te permettre dedans. Le sénateur t'a demandé pour te gagner plus de temps, pour te étudier le rapport. Séance 31 janvier 2018, là, il finit et demain matin 1er février. Et sans que la décision qui te prend, c'est en continuation. Et pour date 6 février 2018, parce que certains dans sénateurs, ils étaient allés, pas de quorum encore, et ils n'ont pas de arrivé dans un débat pour analyser le fondamental rapport. Une séance en bachal, et porte fermée, vite faite, sans attendre, pendant que le sénateur parle, là, dans la même commission, et 1er février, à même journée, dans l'après-midi, débouché sur Assoué. La majorité sénateur, cette qualité-là, ils arrivaient avec une résolution ça, qui pimpait le rapport. Deuxième commission, et c'est qui pas sanctionné, puisque le sénateur n'a pas voté, il était doué sanctionnel. Et vous voyez le bail la Cour supérieure des comptes comme une espèce de ping-pong. Et ça qui fait là prouver que le pouvoir législatif là, ensemble avec l'exécutif là, et bien tous les deux, ils sont prêts et pour empêcher le rapport à faire outil. Et ils ne sont pas au-dessus de la mêlée, ils ne sont pas les gens qui ont cherché vérité, ils ne sont pas pour chercher justice pour la population haïtienne. Non. Dans le droit fondamental qui passe en papier et de façon systématique, dans la façon que vous gagotez l'argent, ça, qui est très clair et vraisemblablement, et très et mauvais comportement responsable dans la finance publique et dans le bien qui est pour tout le peuple. De façon plus spéciale, ça qui est passé là, mettez tout uni l'acheter et même dans le Sénat, qui au lieu de voter et rapport complémentaire, que vous même encore demandé de préparer. Et pour te compléter premier rapport commission, yo et pas prendre responsabilité yo et comme ça yo voyel ba on l'autre instance soi-disant pour prendre responsabilité dans place yo. Travail pour voyer ou bien pour enterrer rapport a confirmer l'idée que tout le monde pensait que parlement haïtien marie dans pied table et gouvernement et quand elle pas gain respect c'est clair pour monde qui te voyer yo aller représenter. Et toujours et organisation qui a parlé non niveau qu'on arrive là. Organisation ça yo rappeler la Cour supérieure des comptes, il était déjà bay avis sur budget l'État et il était approuvé projet qui visait yo. Il est déjà intervenu d'abord dans le cadre d'un dossier ça. Si c'est vrai que la Cour supérieure des comptes a contentieux administratif et qu'il pour exercer un contrôle en après et sous qui j'ai été servi avec l'argent l'État et gagnant maintenant, je ne dis pas c'est pas seulement affaire de contrôler dépenses fait et parce que gargote qui fait non pillage qui fait d'administration façon que craser l'argent pétro-caribéen c'est bon c'est pas de syncope d'en parler de plus que 3 milliards de dollars à cause de gens l'argent ça disparaît non et qu'aucune chaîne somme l'argent ça qui dépensait et puis personne ne parle côté le fait côté dépense en fait faut qu'il y ait des instances qui ont compétence qui capable de ramasser dossier dans respect total capital droit et qui garantit la justice cabaye et pour toute partie qui est impliquée. Pour raison ça, organisation ça yo et yo condamné à toute force yo toute tentative pour empêcher deux rapports commission sénatoriale yo suivre route normale yo. Et yo estimé que journée jodia c'est devoir tout monde, femme ou garçon, même organisation de société civile là. Yo exiger sénateur yo et sénateur dans département côté yo sorti et pour respecter le droit peuple, pour demander une explication claire dans ce qui concerne les positions par rapport à dossier ça. En plus de ça, il doit prendre position
contre le fait que le casse question l'argent qui était là pour te dépenser pour le peuple. Il exigeait que tout mécanisme qu'il a déjà dans le cadre d'organes autonomes, l'État a gagné, tant que unité lutte contre la corruption, ULCC, unité centrale renseignement financier, UCREF, bureau affaires financières et économiques, BAF, et la trier, il tout pour mobiliser, pour questionner tout le monde qui concernait, toute entité dans la gestion, fonds pétro-caribéen, et tout le monde qui a des responsabilités là-dedans. Et organisation ça, demander la justice, et pour ramasser escape figure, pour montrer effectivement son pouvoir, et pour lancer un signal fort, dans ce qui concerne la volonté tout bon pour combattre l'impunité. Parce que c'est l'impunité ça qui vient de toute notre institution, je dis, qui l'ouvre route pour la corruption, tailler le bandage à la fête, je dis. Et ça, il y a là-dedans tout, et toute demande, et que.